bien, hein, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Regarde, regarde. Et elle est où, mon Il y a 150 ans, la commune est née de la colère et de l'insurrection du peuple parisien. Un peuple éprouvé par le froid et la faim lors du long siège hivernal organisé par l'armée prussienne. Un peuple écœuré par les trahisons politiques et militaires et l'élection d'une assemblée réactionnaire qui préfère siéger à Versailles. Un peuple qui n'entend pas se laisser déposséder par tiers des canons qu'il a payés par souscription. Le 18 mars, les soldats envoyés par tiers pour enlever les canons de la butte Montmartre refusent de tirer sur la foule qui s'y oppose et fraternise avec elle. C'est le début de la commune et les travailleurs prennent le pouvoir. La commune de Paris sera le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, un gouvernement élu par le peuple et pour le peuple et dont les délégués sont révocables à tout moment si le mandat n'est pas respecté. Beaucoup d'élus sont membres de l'Association internationale des travailleurs et la commune va dès ses débuts considérer les femmes et les étrangers comme des citoyens à part entière. L'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés aura une action considérable dans d'autres secteurs, comme l'instruction, l'organisation des cantines et la défense des barricades. Jusqu'à la dernière cartouche, les communardes combattirent héroïquement. On pense bien sûr à Louise Michel, Nathalie Lemel, André Léo, Elisabeth Mitrieff, mais ce sont 10 000 femmes qui ont rejoint en tout les rangs de la commune. Quant aux étrangers, ils ont pris eux aussi toute leur place dans la commune de Paris. Parmi les combattants des barricades se trouvaient des légionnaires belges et luxembourgeois, des soldats garibaldiens, des Africains, des régiments de Turcos. Et les généraux polonais Dombrowski et Wroblewski se signalèrent par leurs compétences et leur bravoure. Enfin, c'est un ouvrier hongrois, Léo Frankel, qui fut nommé délégué au travail, à l'industrie, à l'échange. Tous et toutes étaient convaincus que l'ennemi n'était pas le prolétaire qui vivait de l'autre côté de la frontière, mais le patron qui exploitait les ouvriers et le tyran qui oppressait les nations. La commune fut une grande leçon d'internationalisme et de socialisme et durant les 62 jours de sa trop brève existence, elle a élaboré et promulgué des lois sociales et laïques d'une portée considérable. Écoutez bien l'œuvre de la commune. On a tenté de les afficher un peu partout sur cette esplanade et je vous invite tout à l'heure à les découvrir un peu plus pendant qu'on boira un jus de fruits ou un communard non alcoolisé, si c'est possible. J'ai rien le droit de dire là-dessus. L'œuvre de la commune. Réquisition des ateliers abandonnés par les patrons pour les donner en gestion aux associations ouvrières. Limitation à 8 heures de la journée de travail. Interdiction du travail de nuit pour les ouvriers boulangers. Interdiction des amendes et retenues sur les salaires. Séparation de l'Église et de l'État. Suppression du budget des cultes. Instauration de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, droit à l'instruction des filles. Laïcisation envisagée de tous les services publics, notamment dans le domaine de la santé et de l'assistance publique. Promotion de l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Droit au divorce. Possibilité pour les femmes d'obtenir une pension alimentaire. Même droit accordé aux enfants naturels, dit illégitimes, qu'aux enfants légitimes. Liberté de la presse. Réforme de la justice.
rejet de l'armée permanente et abolition de la conscription. Plafonnement des indemnités des élus au niveau du salaire de l'ouvrier. Cantine municipale pour les plus pauvres. Moratoire des loyers et réquisition des logements vacants pour les familles ouvrières. Vaccination gratuite contre la variole. Suspension de la vente des objets déposés au Mont de Piété. L'abolition de la peine de mort ne fut pas proclamée par la commune, mais une foule brûla les bois infâmes de la guillotine devant la statue de Voltaire. Le drapeau rouge, emblème de la République démocratique et sociale, fut adopté. Quant à la colonne Vendôme et sa statue de Napoléon, monument de barbarie, symbole de force brute et de fausse gloire, affirmation du militarisme, elle fut purement et simplement renversée sur le pavé. Enfin, la Fédération des artistes, en symbiose avec la Commune de Paris, prôna la liberté d'expression et de création, ainsi que l'accès de tous à l'éducation et la culture. D'une république authentiquement laïque et sociale. Oui, il faut défendre nos services publics, notre système hospitalier, nos écoles publiques malmenées par tous les gouvernements, aussi bien ceux résumés de gauche que ceux certifiés de droite. Oui, il faut défendre nos usines, comme celle de RKS à Ballon. Nos usines menacées de délocalisation, alors que les actionnaires et les dirigeants d'entreprises voient leurs bénéfices augmenter scandaleusement et que les milliards d'euros affluent dans les paradis fiscaux. Nous sommes communeux. Nous sommes Charlie. Nous sommes pour les fusillés à réhabiliter. Nous sommes intermittents. Nous sommes cheminots. Nous sommes infirmières et infirmiers, nous sommes sans Dieu, sans César, sans tribun. Nous sommes femmes kurdes, nous sommes la canaille, nous sommes pacifistes, nous sommes féministes, nous sommes palestiniens. Les berrichons que nous sommes sont comme les communeux de Paris. Ils comptaient sur la force de la province. Et là où on lutte, là où en fait, nous en sommes heureux. Pour ce 150e anniversaire, nous avons à lutter contre certaines absurdités. Culture non essentielle, déplacement limité, jauge pour les spectacles réduite. Nous tenons bon face au nouveau Versaillais, face à la droite extrême, et aux pseudo-républicains qui, comme Macron, osent dire « À Versailles, c'est ici que Thiers a sauvé la République !» C'est normal qu'il ait cette leçon d'histoire, il vient d'une école privée. Et également, ceux qui ont suivi ce raisonnement, oui, merci Thiers, car sinon Lénine serait maire de Paris. En 71, Lénine avait un an. Nous revenons à la commune, aux communeuses. Il y a peu, en visioconférence, car cette pandémie nous a annulé notre Assemblée Générale Nationale, notre banquet fraternel annuel, de nombreuses conférences. Et notre président d'honneur, Jean-Louis Robert, universitaire, a dit « L'homme référence dans le journal officiel, dans les assemblées de la commune, le plus cité, le plus remarqué, c'était Pascal Grousset. » Ce fut l'occasion pour moi d'informer quelques parigots et les comités de province de l'activité mémorielle qui bouillonne dans Lyon. Il y a également le fait de fêter Napoléon, parce qu'on s'est aperçu que l'avenir du bonapartiste était nul. Et la bande à Macron préfère parler de Napoléon que des idéaux de la commune, les idéaux encore vivants. Pour la petite histoire, une étape du Tour de France, c'est Vierzon-le-Creusot. Dans mon village du Berry, siège social du comité berrichon des Amis de la Commune, il y aura une banderole avec un drapeau rouge,
Gierzon, le Creusot, 1871-2021. Pour commencer, le samedi prochain à 9h, nous allons aussi célébrer une commémoration de la fin de la semaine sanglante et vous êtes bien évidemment tous et toutes invités. Ça sera à 15h, place de la Résistance à Nevers. Voilà, avec un contenu pas forcément identique de ce qui a été fait aujourd'hui ici, mais c'est normal, on a d'autres idées. Mais du coup, j'aimerais bien, au nom des organisateurs, que j'ai pas dit, pour moi ça se voit, donc attaque de la Nièvre, et on va organiser cet événement le samedi prochain aussi avec la Libre Pensée. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on a préparé bien évidemment aussi des textes et des interventions, et ce qui nous semblait particulièrement intéressant, c'était de parler ce de quoi je vais parler là tout de suite. Donc je vais le lire. La semaine sanglante de la Commune de Paris n'était pas seulement l'extermination physique de ses acteurs et actrices, mais aussi le coup d'envoi d'une longue entreprise d'étouffement des messages portés par la Commune. Est-il étonnant que les luttes anticoloniales de la même époque aussi soient passées sous silence? Car, en même temps, une insurrection de l'autre côté de la Méditerranée a eu lieu. On en parle peu ou pas. Heureusement que des historiens engagés à gauche ont travaillé à sortir cette lutte de l'oubli où le colonialisme l'avait ensevelie. Certains appellent ce soulèvement la Commune Kabyle, car il a eu lieu parallèlement aux événements à Paris et qu'elle s'est développée surtout en Kabylie. La famine, la choléra, un séisme ont conduit à une situation de révolte le 8 avril 1871, sous la conduite du chef de tribu El Mokrani. 250 tribus kabyles se révoltent en même temps que la Commune de Paris. La répression militaire est immédiate. Le général envoyé par Thiers déclare: il faut agir comme à Paris. Les Kabyles ne sauraient prétendre à plus de ménagement qu'à Paris. Le 5 mai, El Mokrani est abattu. L'armée coloniale se livre à une répression impitoyable. 9 mois durant, plusieurs dizaines de milliers d'indigènes sont tués, des villages entiers détruits, des familles arabes ou kabyles décimées ou jetées sur les chemins. 450 000 hectares de bonnes terres seront confisqués et distribués aux nouveaux colons. Parmi eux, beaucoup seront des Alsaciens lorrains, réfugiés en France au moment de l'occupation de leur pays par les Prussiens. Ainsi, retour ironique de l'histoire, l'échec de la révolte fournit au gouvernement l'occasion de faire avancer la colonisation. Beaucoup d'insurgés maghrébins sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Et c'est là où les liens se créent entre les prisonniers kabyles et les déportés communards. Louise Michel écrit: nous vîmes arriver dans le grand burnus blanc les Arabes déportés pour s'être eux aussi soulevés contre l'oppression. Ces Orientaux étaient simples et bons et d'une grande justice. Aussi ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi avec eux. Elle fait la promesse à ses compagnons de déportation de venir voir la Kabylie après sa libération. Promesse tenue, Louise Michel est allée en Algérie un an avant sa mort pour une tournée de conférences, dont plusieurs en Kabylie. Elle fait le lien, de fait, elle est le lien entre les différentes luttes émancipatrices. D'un côté, les luttes de la Commune de Paris, la capitale d'un grand pays colonisateur. De l'autre côté, les luttes des hommes qui subissent au quotidien la colonisation. N'est-ce pas un bel exemple? Et Saint-Eustache chez l'Opéra vont se refaire concurrence.
et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, demain les gens, la police, refleuriront sur le trottoir. Fiers de leurs drones en service, et le LBD en sautoir. Sans fin, sans travail, sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des CRS et des préfets. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vif bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Bonjour à tous, donc je suis de l'Assemblée populaire d'Auxerre, je vais dire le vilain mot mais on est une émanation des Gilets jaunes et on s'est placé en Assemblée populaire à partir du mois de mars 2019. Depuis on fonctionne en Assemblée populaire avec des réunions toutes les semaines le mercredi et souvent des actions le samedi. Il me paraissait pertinent dans le cadre d'un anniversaire de la commune d'aborder le fait que ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais le Conseil constitutionnel a rendu son avis sur la loi sécurité globale cette semaine. Les médias s'en sont fait l'écho, mais ont censuré toute une partie de l'opposition à cette loi qui me paraissait à mettre en évidence dans le cadre de la commune, puisqu'en fait, pour la première fois, il y avait eu des saisines citoyennes contre cette loi, à l'initiative des avocats des collectifs Stop Sécurité Globale. On avait demandé aux citoyens qui étaient volontaires de laisser leur nom, et avec nos noms, des avocats sont allés déposer des saisines au Conseil constitutionnel. Ces saisines reposaient sur le travail de ces avocats qui mettaient en évidence un problème de séparation des pouvoirs par rapport à la mise en œuvre de cette loi qui a été proposée comme une proposition de loi alors qu'elle aurait dû être proposée comme un projet de loi, par rapport au fait qu'une des personnes qui a mis en œuvre cette loi qui permet aux sécurités privées d'exercer qui ont agrandi leurs fonctions, cette personne détient maintenant une société de sécurité privée. Tous ces éléments graves par rapport à notre démocratie ont été portés à l'attention du Conseil constitutionnel par des avocats portés et supportés par des citoyens, dont une délégation d'Auxerre en l'état par notre Assemblée populaire. Le Conseil constitutionnel n'a pas souhaité se prononcer sur ces choses. Ça veut dire qu'en France, actuellement, aucune instance, ni même le Conseil constitutionnel, ne souhaite se prononcer dans des cas d'abus de séparation des pouvoirs. Je pense que dans le cadre des 150 ans de la commune, on est pour le coup vraiment dans l'antinomie et la négation totale de nos droits en tant que citoyens. Et je vous invite à vous renseigner parce que c'est un fait qui a été peu relayé par rapport à la loi sécurité globale. Mais cette mise en œuvre de la loi en niant la séparation des pouvoirs, maintenant que le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer contre, il n'y aura plus jamais d'opposition contre ça. Et on peut donc supposer que Macron ou les personnes un peu rigides du bras droit qui risquent de lui succéder n'hésiteront pas à réitérer ces procédés.
mettant gravement en danger ce qu'on appelle encore ici une démocratie, mais je pense qu'aucun de nous ici ne se leurre quant à la réalité de ce que c'est vraiment. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Paroles sont de Georges Coulonge qui avait collaboré beaucoup donc avec Lemarque. Et c'est extrait d'un spectacle qui s'appelle, pour ceux qui ont connu, Paris Populi. Paris Populi qui retraçait l'histoire de Paris à travers ses révolutions. Voilà, donc cette chanson s'appelle « Elle voulait la Sainte République », elle résume l'histoire, toute l'histoire de la Commune, ce que je vous propose de vous l'interpréter. Je vais essayer. Qui a dit ça? Les demoiselles sur l'escalier. Elle voulait la Sainte République. Elle voulait l'enseignement laïque et la justice pour les ouvriers. C'est pour cela que dans les ateliers, elle portait l'espérance commune, la commune, la commune. Et pendant ce temps à Francfort, Thiers va demander du renfort pour qu'il reforme son armée. Bismarck lui rend ses prisonniers. Elle voulait combattre le chômage. Elle exigea que le prêteur sur gage remette ses outils à l'ouvrier et suspendit le paiement des loyers. Elle y gagna de solides rancunes. La commune, la commune. Alors Thiers partit de Versailles pour abattre cette canaille. Son armée avec Mac Mahon arrive aux fortifications. Elle voulait le plaisir humaniste, créa la fédération des artistes, le peintre Courbet la fertiliser, qui fit ouvrir au peuple les musées et s'y pressèrent chacun et chacune. La commune, la commune. Pendant ce temps à Levallois, les Versaillais ont fait la loi. Ils entrent dans les beaux quartiers et commencent à tout bombarder. Oui, t'es rentré dans Passy, mais tu vas voir ici comment ça se poursuit. Viens donc frotter ta couenne au faubourg Saint-Antoine. On a sorti les pavés, le sang va les laver, car on tient à prouver qu'on s'est donné l'exemple dans le faubourg du Temple. Mal vêtu, mal nourri, et qui tire, et qui court, et qui pleure, et qui tire, qui se bat comme un sourd, et qui meurt, et qui tire, et toujours le faubourg, de Paris. En bout de barricade, malgré le feu d'enfer, l'orgue du camarade joue Orphée aux enfers. Aux fusils des rancunes, on fait des orphelins, et vive la commune, Crémillière et Berlin. C'est au Père Lachaise que tombent les derniers, avec la Marseillaise qui se fait fusiller. Elle voulait de vers de grandes choses. Elle voulait et le pain et les roses. Elle voulait et tant, et tant, et tant. Le 28 mai s'achève son printemps. Elle n'a pas su décrocher la lune. La commune, la commune. Elle n'a pas su décrocher la lune. La commune, la commune. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur.
J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Bravo ! Le 14 avril, il y a 90 ans, 1931, quand la République est proclamée, des milliers d'Espagnols descendent dans les rues, discutent, dansent et chantent. Ils chantent en particulier la Marseillaise parce que la France est leur modèle à cette époque. Elle est en particulier deux événements, la Révolution de 89 et la Commune de Paris. Et quand Jean-Noël tout à l'heure a énuméré les avancées que la Commune a promulguées, eh bien moi je retrouve beaucoup ce que la République espagnole a voulu faire, en particulier un État laïque, tout d'abord, dans un pays qui était largement dominé par le catholicisme plus que envahissant, la mise en avant de l'éducation, de la culture et de la santé, les droits des femmes. En 31, les femmes espagnoles obtiennent le droit de vote. En 32, l'égalité de salaire, le droit de divorcer, et même en 36, le droit d'avortement en Catalogne. Malheureusement, la République espagnole connaîtra un peu une fin comme la Commune, puisque en 1936, tous ceux qui se sont sentis agressés par ces réformes, et là je parle de l'Église espagnole, je parle des caciques, c'est-à-dire les riches propriétaires terriens ou d'industrie, je parle de l'armée, ont mené un coup d'État qui va durer 3 ans, et non seulement il y aura de nous, alors ce sera pas une guerre civile comme on l'a dit très souvent, mais plutôt une guerre contre les civils, de l'armée, épaulée par les trois dictatures européennes de l'époque, Mussolini, Hitler et on oublie souvent Salazar, qui a joué un rôle essentiel dans cette guerre d'Espagne, puisque c'est là que s'est préparé le coup d'État, et c'était un moyen très pratique pour faire rentrer en Espagne les armes pour les fascistes. La guerre d'Espagne a fait de nombreux morts, mais surtout la répression. Au fur et à mesure que les franquistes ont avancé, ils ont, comme pour la Commune, liquidé tout ce qu'ils ont trouvé comme démocrates et républicains. Mais cette répression n'a pas duré seulement le temps de la guerre d'Espagne. Elle a duré jusqu'en 1975. Elle a duré de la même façon jusque dans les années 50. Mais rappelez-vous les procès de Burgos, rappelez-vous les exécutions Franco signera sa dernière exécution au mois d'octobre 75, alors qu'on l'a déclaré mort en novembre. Il était peut-être depuis longtemps et au congélateur, mais ça, on le saura peut-être un jour. Je voudrais terminer par quand même une note un peu d'espoir, malgré ce qui se passe actuellement en Espagne, en particulier au niveau de l'armée. Vous savez qu'il y a eu là aussi des prises de position de 270 officiers en retraite, mais aussi d'actifs qui se sont mis à disposition du roi pour rétablir l'ordre. Il y a eu aussi un lieutenant-colonel de l'armée qui a déclaré qu'il était prêt à fusiller les 21 millions de fils de pute qui avaient mis au pouvoir le gouvernement actuel. Donc c'est un peu inquiétant. Mais d'autre part, le gouvernement actuel, justement, a viré Franco du mausolée de la vallée de Los Caídos, déjà. Il a décrété le 8 mai, journée de l'exil et des martyrs du franquisme, et il y a une nouvelle loi qui se prépare, loi qui, si elle va jusqu'au bout, mais elle est adoptée par le gouvernement, mais elle doit passer maintenant au Parlement. Cette loi prévoit que toutes les condamnations qui ont été promulguées pendant la guerre d'Espagne et après seront complètement supprimées. Mon père est mort avec 2 condamnations à mort sur le dos. Cette loi prévoit également que les spoliations qui ont été effectuées par les franquistes et surtout la Falange seront recherchées et que normalement les familles spoliées seront rétablies dans leurs droits. Je vous signale que par exemple le gouvernement vient de faire rendre par la famille de Franco la résidence d'été qu'il s'était
était attribué en Galice. Et enfin, une carte des fausses communes où sont encore 110 000 morts, 110 000 victimes de la répression franquiste va être établie et que le gouvernement va financer, devrait financer la réouverture de ces fosses, l'établissement d'une base de données ADN pour que les familles puissent retrouver leurs parents et leur offrir une sépulture digne. Voilà donc en quoi la commune a été aussi pour la République espagnole quelque chose de très important. Merci. Pleines en forêt, de ballons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France. De son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Et Monsieur Thiers, à 7 km de chez nous, dans un petit village à une rue, à Druy-les-Belles-Fontaines. Ah. Tient le monde au bout de sa palette, des lèvres, des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle
Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. La France! Zum Kampf sind wir bereit, dem Kalifknecht, dem haben wir's geschworen, der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Nous partageons tous ici, simplement pour rappeler combien la commune a été un phare pour les opprimés. Elle a été également un spectre effrayant pour les dominants, pour les patrons, et cela depuis toujours et encore maintenant. Je voudrais simplement rappeler des mesures, mais tout à l'heure Jean-Noël les a citées dans le détail, qui me semblent importantes, notamment sur l'aspect aide à la classe ouvrière et aux classes populaires de la part de la Commune de Paris. Une des premières mesures qui ont été prises par l'Assemblée de la Commune de Paris, c'est le moratoire sur les loyers et le moratoire sur les échéances, sur les dettes des petits commerçants, des artisans et des ouvriers, bien entendu. Et tout cela dans la convergence de l'ensemble des courants qui étaient représentés dans l'Assemblée de la Commune. Au niveau de la démocratie, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de démocratie politique, mais il s'agit d'une véritable révolution citoyenne qui se met en route avec la Commune de Paris. Notamment, c'est, Jean-Noël l'a rappelé tout à l'heure, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec en particulier une démocratie directe qui va être organisée, qui va être laissée entre les mains du peuple de Paris, avec la remise en cause de la délégation de pouvoir et de la bureaucratie, avec la révocabilité des élus si le mandat n'était pas accompli. Autre mesure significative qui doit nous faire réfléchir à son actualité, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la suppression de l'armée permanente et seule la garde nationale qui aura pour mission le maintien de l'ordre. C'est par exemple encore comme mesure sociale la réquisition des appartements abandonnés par les propriétaires qui ont fui la commune, la réquisition des ateliers laissés par les patrons, la fin de l'arbitraire patronal sur les amendes et les retenues sur salaire, la réduction de la journée du travail, Jean-Noël l'a dit tout à l'heure, le resserrement de la hiérarchie des salaires, le principe qui a été adopté à l'unanimité d'un salaire minimum suffisant. Enfin, c'est l'irruption des femmes dans la vie politique avec leur intervention dans l'ensemble des discussions, dans l'ensemble des assemblées, dans les clubs. C'est vraiment une révolution féministe qui s'engage. On a cité tout à l'heure l'Union des femmes pour la défense de Paris. Eh bien, c'est une réalité. Enfin, un autre phénomène qu'il nous faut bien prendre en compte et regarder ce que ça devient aujourd'hui avec les attaques contre la laïcité. C'est la séparation de l'Église et de l'État qui a été adoptée à l'unanimité des communards, avec comme première mention, la liberté de conscience qui est déclarée comme un des piliers de la liberté et de l'égalité. C'est la suppression des budgets des cultes et c'est la laïcisation des hôpitaux et des services de l'assistance publique. Enfin, au niveau de l'école et de l'éducation d'une manière générale, c'est le remplacement des prêtres par des instituteurs et des institutrices laïques. C'est dès avril la laïcisation intégrale des écoles publiques. C'est l'école qui est décrétée
gratuite et obligatoire, et c'est l'école à partir de l'âge de 3 ans. Et c'était évidemment la remise en cause du travail des enfants qui était à cette époque-là développé. Enfin, ce sont l'organisation de crèches laïques. Tout cela pour dire combien ce qu'a fait la Commune de Paris, c'est plus actuel que jamais. Ce sont des droits que le mouvement ouvrier a conquis tout au long de l'histoire, mais qu'il faut défendre aujourd'hui. Reste indissociable de la Commune de Paris et du soulèvement parisien, puisque son auteur, Jean-Baptiste Clément, l'a complété plus tard d'un couplet en hommage à la semaine sanglante de fin mai 1871. C'est ainsi que nous avons fait le choix entre 9 organisations politiques d'intituler notre liste, le temps des cerises, pour les élections, et ce n'est pas anodin. La pandémie du Covid-19 est venue frapper une société déjà durement affectée par les inégalités sociales et l'affaiblissement des services publics, notamment dans la santé. L'urgence écologique, de plus en plus criante, se manifeste chaque jour sous nos yeux. Elle s'ajoute à une crise démocratique qui s'exprime par l'abstention et qu'a rappelé le mouvement des Gilets jaunes, comme le montrait Victor Hugo dans Les Misérables. Comme en 1870, le monde d'après semble perpétuer le monde d'avant. Ceux qui œuvrent à la vie sociale de notre pays en payent le plus lourd tribut. Les soignants, tant applaudis, ont dû se contenter des miettes du Ségur de la santé. Le chômage et la précarité explosent, alors que les profiteurs de la crise ne sont pas mis à contribution. Les citoyens voient leur liberté publique réduite. Rien n'est fait sérieusement pour répondre aux urgences auxquelles nous devons faire face. Urgence sanitaire, urgence climatique, urgence économique, urgence sociale et urgence démocratique. Depuis ce grand mouvement de révolte des Gilets jaunes et de contestation sociale, notre monarque président, toujours soutenu sans faille par notre baronne régionale, poursuit sa politique de destruction des acquis sociaux, désigne des boucs émissaires, les islamo-gauchistes, les syndicalistes étudiants ou les jeunes de banlieue, et use de diversion à travers des propos nationalistes ou sécuritaires, tel Napoléon III en juillet 1870. Le temps presse pour engager le changement de cap salvateur et renouer avec l'esprit de la Commune de Paris qui a su, en 1871, s'étendre au-delà de Paris, y compris en Bourgogne, du 26 au 28 mars 1871 au Creusot, avec la fraternisation entre les ouvriers et les gardes nationaux. Le collège Bienvenue Martin au Serre, qui permettait de scolariser dans des conditions plus favorables les enfants d'un quartier jugé sensible, comme on dit pudiquement. Ce fut une régression non seulement pour les enfants des quartiers de la Zup Sainte-Geneviève et de la Zup Saint-Siméon, mais ce fut une régression pour tous les autres dont les effectifs ont été autant. Par le pouvoir de la pensée, il a réussi. D'année en année, la liste s'allonge. Il est question maintenant du collège de Brunon, des collèges de Puisset, et ça n'aura pas de Oui, pas quand même. C'est gosier.